Et bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer une petite Atari Lynx 2 console de cœur. Très bel jeu, très jolie console. Je préfère vraiment la 2 à la 1. Elle est vraiment très très jolie. Aujourd'hui, on va s'occuper de tout simplement lui euh, remplacer ses 14 petits condensateurs que j'ai préparés dans cette petite boîte, okay. Et euh, on va remplacer les 14 condensateurs. Donc ça, c'est très très cool. On lui fera un petit entretien. Et euh, son propriétaire m'a également demandé, mais ça vous le verrez dans une autre VOD, je pense, euh, de remplacer son tube fluo par une bande LED. Et oui, pour notamment gagner en autonomie et gagner également en euh, patate lumineuse pour avoir un meilleur contraste, une meilleure luminosité. Et, euh, et donc on va faire ça. Je l'ai déjà fait sur une euh, PC Engine GT. On va tenter sur celle-ci, tout simplement. Ça me, coûte, euh, ça me coûtera moins cher, j'avoue. J'avoue. Mais a, je suppose qu'il y a plein de voitures euh, sur, en, aux états unis qui ne coûtent pas très cher. Des voitures qui, qui font rêver ici. Moi, je suis assez fan de tout ce qui est Oldsmobile. Mobile. Des voitures qui ressemblaient à rien à l'époque. Typiques des années 70, années 80. Et elles sont assez folles. Hop. Donc voilà, donc petit Atari Lynx, il m'a confié sa Lynx 1 et sa Lynx 2. La Lynx 1 qui fonctionne nickel, il m'a dit, ça serait bien que tu fasses le bandeau LED sur la Lynx 2, euh, parce que notamment, bah voilà, la, la, la vitre qui est en mauvais état. Euh, on a une vitre en verre de Lynx 1 qu'on va devoir remplacer aussi, mais pareil, ça vous le verrez peut-être pas. C'est juste décoller et recoller une vitre, donc en soi, c'est n'est pas, pas bien méchant. Mais, euh, mais voilà, donc celle-ci est en moins bon état. Il m'a dit, globalement, euh, celle qui est en moins bon état, ça serait bien de lui faire le petit mode LED, comme ça, euh, comme ça, ça lui donnera un petit peu de peps. Donc voilà. Donc on va même pas l'allumer, on va même pas l'allumer, on va directement la démonter et puis voilà. Hop, la console qui donne des patates. Une très très belle machine. Je suis vraiment fan moi de la Lynx de la Lynx 2. Donc les vis sont cachées. Ah oh, la vache. Oh, me dit pas que ça a été glué. Me dis pas que ça a été glué. Non, c'est bon. Ça pourrait être aiguë, c'est juste fait bien double facé. Voilà. Impeccable. Je mets ça sur le côté. On évite de mettre de la poussière dessus. Potentiellement, ça montre qu'elle n'a jamais été démontée. Et donc le remplacement de condensateur a du sens. Salut Mister Madness. comment ça va J'ai vu que tu avais reposté euh, tes, euh, tes consoles sur, euh, sur Enneba. J'en ai fait un petit peu la pub. Hein. En Espérant que ça aide un peu ce live de Red, bah c'était très cool. C'est très très cool. On a atteint, regardez, euh, on a atteint l'avant-dernier la, palier, on l'a dépassé. Donc là, il reste plus qu'un palier. C'était cool. Le turc qui ressemble à rien, il y a ça aussi. Mais ouais, mais j'aime bien, hein. j'aime bien ce que tu envoies là, euh, Oliver. Il demande euh, tes réseaux, réseaux sociaux pour entre us maintenant. Ah bah, c'est moderne, hein. Donc merci à ceux, hein. euh, on a jusqu'à euh, jusqu dimanche pour atteindre les, les 65 comptes euh, créés et, et tutos réalisés sur, euh, sur Edge Shadow Legends. Donc euh, bah, s'il y en a qui veulent m'aider et me soutenir, c'est gratuit, c'est sur mobile et PC, donc euh, n'hésitez pas. Et une fois de plus, je note vos noms pour faire un tirage au sort à la fin sur tous ceux qui auront participé à la campagne et vous faire gagner un petit truc, tout simplement. Donc là, on va l'ouvrir, on n'oublie pas, il y a une vis également ici, donc on a quatre vis qui étaient là, c'est du cruciforme, donc ça va, et on a une vis ici. Et on l enlève également, c'est la petite vis juste là. J'ai pas dit, je ne pas non plus. Très bien. Ok, ça s'ouvre. Donc là, on a toute la partie basse qui s'enlève. Normalement, la partie pile elle s'enlève aussi. Et on fait attention parce qu'on a des nappes qui sont présentes. Mais qu'est-ce qui lui arrive à ce téléphone à faire que de vibrer là Et chiant. Ok. là, il faut réussir à enlever. Le truc qui est chiant, en fait, c'est qu'on a les deux nappes qui sont en bas. Qui sont en bas, qui sont non seulement hyper fragiles, ces deux nappes-là, et, euh, et qui sont assez chiantes à enlever. Il y a, alors, il y a un truc qui est assez cool, c'est que sur cette console-là, euh, la nappe qui est tout autour, je crois, et justement RetroAdrum ici présent dans le chat saura me confirmer ou non, euh, il me semble qu'on peut en trouver des neufs. Des neufs. Mais je me demande, tu vois, si elles n'ont pas été recapées. Hein. Ces consoles-là, là. Quoi que, je sais pas. C'est bizarre. C'est bizarre. Bizarre. Je roule en 21. C'est vrai que tu roules en 21, toi. Donc là, on va essayer de... Donc on va déclipser nos deux connecteurs dans le fond. C'est un peu chiant à faire, mais il faut réussir. C'est souvent bien fixé. Hop. Voilà. Donc là c'est bien enlevé. Ok, on y va petit à petit, tout doucement. Et donc ces deux connecteurs là, il faut faire bien attention, c'est que notamment euh, ils sont euh, relativement fragiles et euh, il faut éviter de trop les brancher, débrancher, brancher, débrancher. Euh, sont de bonne qualité franchement euh, et oui la membrane des boutons il y a du neuf ok c'est cool donc on a quand même la possibilité de changer les membranes voilà donc là il faut réussir à enlever les nappes ils sont malgré tout bien fixés et un peu chiant à enlever on va pas se mentir on va essayer de le faire à l'aveugle c'est vrai que je suis quand même étonné, hein. là ça fait... Euh, la lynx 1, on s'en est occupé, et euh, ça s'est très bien passé. Donc le support de pile hein, qui est juste là. Donc on a enlevé la petite vis qui était là, qui venait le tenir. Et donc là, il reste juste les deux connecteurs pour l'enceinte et pour le rétroéclairage. Donc sur celle-ci, on va essayer de lui faire un petit, euh, un petit mode euh, LED pour essayer d'économiser en batterie et augmenter le contraste. Voilà. voilà. Et je suis quand même étonné, hein. La lynx 1, elle avait une... Euh, euh, elle était encore fonctionnelle et celle-ci aussi, hein, normalement, est encore fonctionnelle. Son propriétaire me l'a bien dit euh, qu'elle était, euh, était encore au taquet. Donc euh, très très cool. Très très cool. Ok. Donc sur les Lynx 1 euh, et Lynx 2, elles ont des, des défauts. Elles ont des défauts. Euh, alors notamment, on peut avoir la mémoire qui peut avoir des problèmes. C'est sous, sous ces blindages qu'on va pas enlever parce qu'on n'a pas besoin de les enlever sur celle-ci. Euh, mais on peut avoir pas mal. D'ailleurs, c'est très chiant à enlever parce que derrière, on a aussi un blindage qui passe sous le. Enfin bref, c'est un enfer. Quand vous avez tout à enlever, c'est vraiment un enfer. C'est très chiant. Euh, mais en gros sur cette partie là, en gros, on a quelques composants, notamment ces, ces deux-là, et il y a une diode qui doit être là, et un condensateur, qui ont tendance à cramer, et euh, qui du coup ta console ne fonctionne plus, donc il faut venir les remplacer, il y a des kits qui existent, donc ça c'est cool. On a les condensateurs, pareil les kits existent, euh, donc il y a pas mal de petites choses, la mémoire existe encore, fut un temps Suzy, donc, qui est le coprocesseur de la Lynx, existait encore, mais je crois que maintenant c'est mort, donc bon. Il y a pas mal de choses qui permettent de, de, de sauver ces consoles-là, mais euh, tout n'est pas dispo. Salut, fâche comment tu vas Jamais Gunhead TV sort de ce corps. J'ai vu que Gunhead TV euh, avait euh, ressorti un bouquin. Ils ont l'air tellement bien, ces bouquins. Un ouais, jour, peut-être que je me laisserai tenter. Euh, très bien. Très, très bien. Et donc je regarde un peu, niveau condensateur, s'il y a notamment des bipôles. Et ça, ça me semble être... Non, il y a le moins qui est là. Donc c'est des Jamico. Les condensateurs, visiblement, pour tout le monde. Non, là, on a des Chama, euh, Sha... je crois, un truc comme ça. Ok. Les condos n'ont pas, pas mauvaise gueule. Les condos n'ont pas mauvaise gueule, donc ça va. Là, on a du 220, du 6.3 volts. Ok, bah écoutez, on va attaquer. Bon, pour une fois, vous savez, d'habitude, je lance... Euh... Il y en a quatre qui sont prévus de bouquins. Le troisième va sortir d'ici de... peu. Ouais, j'ai vu qu'il avait annoncé ça. J'ai les deux premiers déjà. Ah, je me doute. Tu m'en avais déjà parlé. Meltrex qui tape la commande raid. Merci, hein, à ceux, une fois de plus, hein, qui feront le tuto. Ceux qui ont fait le tuto, hein, je vous invite vraiment à rejoindre le Discord. Il y aura un tirage au sort qui sera fait. Hein. Il y aura un tirage au sort qui sera fait, donc euh... n'hésitez donc, pas. Hein. Euh... Surtout ceux qui ont soutenu euh, la campagne. Donc ça serait dommage que vous ne soyez pas sur le Discord et pas notifié de, ce, de cette chose-là. Donc vraiment, euh, s'il vous plaît, rejoignez le Discord. Ça me ferait plaisir de, de vous faire plaisir. Cette musique de... de On va pleurer. Vous avez vu que j'ai mis un t-shirt en... Bon, c'est Atari 2600 parce que je n'ai pas de t-shirt Lynx. Mais euh, voilà. Un jour je demanderai de, à faire des visuels de la Lynx pour les faire en, en simple comme ça, à faire imprimer. Et pourquoi pas des slogans de pub d'époque c'est pour être marrant. Donc, je rappelle que j'ai réparé mon embout. Regardez ça comme c'est beau. Et on voit même un peu de colle chaude <laughs> qui est ressorti là. Impeccable. La lynx. Bien vu ça, j'aime beaucoup. Celui-là, mais pas là. <laughs> ça va devenir ma devise. Comment tu vas Comment tu vas, Clotilde Clotilde qui est en leurc là-dessus. Ça a été hier hein, ton... Il me semble que tu es, sorti... es sorti boire un coup, si je dis pas de bêtises. Et bon courage pour ta, ta formation bien sûr. Hop, on met ça de côté. Et comment tu vas Clotilde Bien sûr. Et Clotilde hein, qui fait du crochet sur sa chaîne et des jeux vidéo. N'hésitez hein, pas à aller voir bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors ils aiment bien la colle chaude visiblement chez, euh, chez Atari. Hein. On voit qu'il y en a ici pour le, le connecteur qui est juste là. Je pense que c'est parce qu'il est soudé très faiblement. Ah oui, bah oui, bah c'est pour ça en fait. Le connecteur qui est ici. Euh, il est soudé juste avec trois pins au bout, et euh, sinon, euh, sinon, il est un peu vacant ouais. dans une brasserie artisanale. Et bah, dis donc, ça se met bien, ça se met très très bien. Et bah, let's go, on va commencer. On va commencer par les deux plus gros. Donc, moi j'ai préparé mes petits condos, juste ici. Voilà, j'ai tout préparé hier, j'ai pris le temps, et je me suis souvenu d'un truc c'est que j'avais euh, déjà préparé un Excel avec tous les, tous les condos euh, nécessaires pour cette console. Euh, 470 microfarades, je crois que c'est lui. Euh, 10 volts, donc c'est ça. Et donc là, c'est un 470, 10 volts, c'est bon. Et l'autre, je crois que c'est le 100 microfarades, 35, je crois. 100 microfarades, 35. Et je crois que c'est lui. Voilà, c'est ça. Et donc, dans les deux cas, c'est du Jackson. Donc, c'est la marque de chez RS, euh, RS Pro. Très bien. C'est court en télétravail. Ah, cool, ça. Est-ce que je vous mets l'autre objectif on a pas mal de condensateurs à faire, on va mettre l'autre objectif, comme ça vous allez voir quelque chose, c'est bien. Allez, remplacement d'objectif. Hop, on éteint ici. La voilà, vache à l'intérieur, il est dégueu mon objectif. C'est 4, faudrait que... Je sais pas. Je sais pas si ça vaut le coup. Et je sais pas combien ça coûte d'aller voir un... un expert en objectif et lui demander un, un entretien. Je sais pas si ça existe. Un entretien d'objectif ou même d'appareil photo. Ça, je vous avoue, je me sens vraiment pas chaud de le faire. Je préfère laisser un professionnel le faire. Même si ça me tenterait de ouf, mais c'est trop mon outil de travail pour que je le tente moi-même. Mais c'est pas donné. Ah bah ouais, je me doute. Est-ce qu'on est encore fluide On est encore fluide. Très bien. Linko qui est là. Comment elle va Comment elle va, Linko qui hier se battait sur. Euh... Sur Zelda Links Awakening, si je dis pas de bêtises, euh, sur euh, Switch. Comment tu vas Mais c'est pas donné, putain la vache. 80 euros en général par objectif Aïe aïe effectivement, donc c'est le prix de mon objectif, donc ça fait un peu mal. Bah écoute, ça va très bien. Jeunes gens, si vous ne connaissez pas Linko, Linko Rep s'y présente. Personne, bon, euh, assez calme sur ses streams, euh, tranquille quoi. Tranquille. Donc n'hésitez pas à aller là-dessus, si vous avez du, du chill, euh, détente, sans que ça crie, sans que ça rage, euh, et euh, toujours dans une énergie euh, positive, <laughs> n'hésitez pas. Salut très Toujours calme, hein. tout à fait, toujours calme. C'est ça, ben je crois que c'est le mot-clé de ta chaîne, hein. je crois. Hein. Hop, comme d'hab. On y va et on tire dessus. Délicatement, sans arracher les pads, bien entendu. Non, ouais, ils, sont, ils sont propres. Hein. Ça, c'est le 470 microfarad. Bah écoute, ça va très bien. Tu vois, on s'occupe de ça. Hier, on a fait l'opérate Shadow Legend. Ça s'est plutôt bien passé. Donc, euh, c'est cool. C'est cool, c'est cool. On sait qu'elle fait du DDR C'est vrai qu'elle fait du DDR. Mais je crois que tu comptes en faire sur ta chaîne. Hein. Tu avais prévu d'en faire euh, une, 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 une mensuelle, un, un truc régulier, je crois. Ah si, elle fait du vélo également. Côté 75 euros par objectif. Euh, moi, c'est ce que je paie. Ok. Bon à savoir, bon à savoir. Hop, je vais remettre dans le bon sens, que vous puissiez voir ce que je fais. C'est voilà. comment ça va Donc on y va. Euh, Chez WAM, mais j'ai mon tapis de danse avec Laurie, Chihuahua et tout. Oh là, là 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 Oh non, me dit pas que j'ai encore un faux contact c'est pas possible. Il s'est mis veille tout seul. Tiens, s'il me refait euh, s'il me refait le coup, je alors que je viens de le refaire. Je mange mon chapeau. Plan de masse oblige. Voilà. Impeccable. Euh... C'est pas, ambi... pas la même ambiance, effectivement. Ouais. Donc 470 microfarad, 10 volts, il est là et on y va. On remet ça. On voit que c'est propre en dessous. Contrairement à de la Game Gear où c'est éclaté au sol, on voit que le plus est au bon endroit. Oh, oh là là, j'ai vu un truc. La dernière fois sur euh, Twitter, il y a quelqu'un qui a posté une photo. De, en gros, la personne avait enlevé euh, donc l'ancienne le, le, euh, personne qui avait réparé la console. En gros, elle avait enlevé les deux condensateurs ici et plutôt que de mettre donc du coup dans, dans le sens et suivre l'empreinte et mettre le condensateur comme ça, comme ceci, elle avait mis genre comme ceci entre là et là. Quel enfer Et forcément, bah ça démarre pas. Hein. Vous vous doutez bien que dans ce cas-là, c'est compliqué. Dans ce cas-là, c'est compliqué. Oui, je veux savoir le lore des gaufres là. Comment <laughs> qu ça Quel lore Oh, c'est l'identité de la chaîne. Hier, on a fait des gaufres. Hein. Quand j'ai vu que tu avais liké. j'ai vu ça, mais j'ai trouvé ça fou. Mm -hmm. Tu peux le faire gratuitement au salon de la photo à Paris pour de -Vers Et c'est vrai C'est vrai, Sears Excellent. Donc je les mets de ce côté là parce que je sais que quand on va refermer, il me semble qu'au centre, on a, on a un truc qui, qui risque de, de déranger. Donc je les mets un petit peu tordus comme ils sont mis euh, d'origine. L'enfer, dont le filament était euh, rentré en fusion sur celle que j'ai réparé, mais ouais, à la fin ça marchait. En jouant à Red Shadow, tout à fait. Hier, on a fait un mix Red Shadow euh, et Gaufre sur alors Red Shadow sur écran cathodique, mais également sur Game J1. Donc, euh, ouais, on a fait un petit mix assez, euh, assez joli avec Souris à boule également. Et, euh, et c'était plutôt original. Les gens ont apprécié, les gens étaient là et ça fait plaisir. Et on a bientôt. Euh, on, a, on peut potentiellement finir, euh, clôturer la, <laughs> la campagne là-dessus. Ce qui est assez fou. Oh, cette musique qui met le peps. Qui met la joie dans nos cœurs. Donc c'était pas mal. Mais du coup, euh, euh, c'était lors d'une du euh, première convention avec Emo5 où Cabri à live. On lui a demandé où étaient les WC et s'il vendait des gopres. <laughs> du coup, c'est parti de là. Et c'est resté, c'est ça, c'est ça. Et là, c'est parti en couille parce qu'hier, on a fait des gaufres en live. Ça peut venir, devenir irrégulière euh, Et la prochaine fois, tu viens à Disney aussi. <laughs> c'est vrai que t'es allé à Disney, toi. Il y, a, il y a peu. Mais je comprends mieux pourquoi t'es allé à Disney. Parce que du coup, c'était vraiment à côté. D'ailleurs, très beau chapeau que t'as récupéré là-dessus. Mmh très belle bête donc on, on continue à, à le plus est ici et le plus est ici aussi autre chose hein, sur les condensateurs il y a des, des paramètres qui sont intéressants donc la polarité donc plus moins on voit que le moins c'est le trait blanc et le plus bah il n'y a rien ok de l'autre côté euh, ici on a euh, la grande papate c'est le plus et la petite papate c'est le moins. Donc ça c'est bien quand le condensateur est neuf mais quand il n'est pas neuf forcément euh, les papates elles sont coupées. Euh, également ici c'est notifié. On a le petit plus qui est là et le petit plus qui est là qui indique que du coup ce côté là c'est le plus. Okay. Donc on voit en plus notamment qu'il passe par ces, ces petites diodes qui sont ici avec la piste en bas. Jusque là on est bon. Et euh, dernière chose euh, sur les... Euh, euh, si c'est ma lynx, est une 2 euh, ou une 1. Un. Oh bah, tu peux pas le louper. <laughs> tu peux pas le louper. Ta lynx 2, elle ressemble à ça. Bon, faut regarder en gros zoom. Fais un. Voilà, la lynx 2, elle ressemble à ça. La lynx 1, un, c'est une bêta. <laughs> la lynx 1, un, c'est une brique, tout simplement. Et, euh, et autre chose du coup sur les condensateurs. Donc là d'origine c'était un 100 microfarad 35 volts comme on peut voir ici. Donc le nombre de microfarad il faut le respecter. Si je dis pas de bêtises, c'est la capacité du condensateur. Et 35 volts, donc c'est la tension à laquelle va résister le condensateur. Donc. Il faut garder le, la même capacité, ça c'est important, donc 100 microfarade. Par contre, euh, tu peux augmenter euh, la tension, euh, mais surtout pas la baisser. Tout simplement parce qu'en gros, euh, 35 volts, c'est euh, la tension à laquelle il va résister le condensateur. Donc si tu lui mets un 10 volts, et eh ben il va tout simplement euh, s'envoler vers d'autres cieux euh, tel buzz l'éclair. Donc là pareil, je les incline un tout petit peu. Voilà. Et, euh, et, euh, et c'est un peu chiant. Hein. On n'est pas là pour faire euh, décoller des condensateurs. Donc, euh, donc, voilà. Donc, tu peux augmenter. Nous, on a remis du 35 volts. Mais tu peux mettre du 50. Tu peux mettre ce que tu veux. Mais ben, ah bon, après, si tu mets du 450, ça va être compliqué de le rentrer dans la, dans la, dans la machine. Ah bah, j'ai une lynx. 1. Elle est très bien aussi, la lynx. 1. Elle est un peu moins sexy, je trouve. Mais déjà, tu es quelqu'un de goût. Parce que tu as une lynx. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Tout le monde n'a pas de lynx. Et de savoir que tu as une lynx, tu, tu montes dans mon estime. <laughs> parce que la lynx, ça reste quand même une super... Enfin, moi, j'adore. J'adore la Lynx. Je trouve qu'elle a une patate par rapport à, aux autres consoles de l'époque. Elle est assez folle cette console. Ok, donc toi, tu es qui 10 microfarades, 35 volts. Alors, est-ce que j'en ai des comme ça Je pense que oui. Tac. Non. 10 microfarades, 35 volts, c'est eux, je me souviens. Les deux de mon père, MDA. Ah ouais, et il a deux lynx, il avait deux lynx, mais quelqu'un a quelqu'un qui avait du goût. Enfin, quelqu'un qui a du goût. Dance. Et on y va, on continue. Qui a la lynx dans le chat Qu'il se dénonce. Les gens de goût là, qui a une lynx ou qui en a déjà possédé une S'il vous plaît. Je veux des noms. Voilà. Impeccable. La mère avait cramé la première à force de jouer au majong <laughs> Ce sont des choses qui arrivent. Donc celle-ci c'est bien. 10 microfarads, 35 volts. Impeccable. Moi. Bah <laughs> ah bon Tu dis ça non mais tu dis je suis sûr que tu dis ça parce que je m'occupe des tiennes. Tu dis que c'est les tiennes. Je comprends aussi. Forcément. Euh, je n'ai pas de goût depuis. Euh, de goût, je suis dans Peugeot 106 en plus. Voilà. T'as la SNES, t'as rien pour toi, je suis désolé, mais. Tu m'aurais dit que tu roulais en R11. Je veux bien, mais là. Ou en Renault, à la limite, tu vois, j'accepte. Et combien tu qui s'abonne. Euh, merci beaucoup. C'est très gentil. Deuxième mois d'abonnement là-dessus, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je regarde les soudures, euh, je me revois euh, en cours de techno au collège. Ah, bah ça, c'est un peu le, le syndrome de la chaîne. Tout le monde se revoit en techno, et oui. Ma femme a une Clio 4 ou 5. Bon, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Elle, elle, rattrape, elle rattrape la famille, ça va. Donc, on nettoie tout ça. Parce que là, il y avait des petites traces. Hop, on enlève et on remet le nouveau condensateur. C'est de faire ça bien, malgré tout. Ça reste une console qui mérite qu'on s'occupe d'elle. Si je roule en Renault un jour ce sera uniquement avec une euh, pour une méga RS ou une R21 Turbo Quadra. Bah c'est Oliver S qui va être contre. Turbo Quadra, je sais même pas à quoi ça ressemble. Quadra, ça veut dire que c'est une quatre euh, motrices, c'est ça? Donc là on est sur du 1 microfarad de 50 volts, là également. Et lui, t'es qui toi T'es qui T'es qui T'es qui Un microfarad 50 volts sur les deux et ça tombe bien. J'en ai. J'en ai qui est un bon pote à moi. Vous l'avez La blague les versions 4 4 Oh là là oh là là. Et Megan RS, laquelle 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 La 2, la 3, 4, 5, peut-être Je sais même pas s'ils ont fait une 5. Plus de chance de tomber en panne. Et et, 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 et apothèques, là. Attention, il hein. y en a qui se sont fait ban pour moins que ça. Hein. Dire que Renault, ça tombe en panne, ça pour va pas la tête, quoi. Mais ça me fait plaisir parce que du coup Retroidrome a bon goût. Et en plus de ça, il a roulé en Mustang. Ah, ça n'a pas de prix. Même si en ce moment tu roules en Peugeot, qu'est-ce que tu veux Personne n'est parfait, mais bon, c'est pas grave. J'adore critiquer les gens juste avec leur voiture. Peugeot Super Renault. Allez, bon bah Joe, bah ravi de t'avoir connu. <laughs> C'est honteux euh, Mais je la trouve trop moderne. Ouais, j'aime bien rouler en Renault Super 5. Ah, bah ça, ça fait plaisir. J'aime bien la Super 5 en vrai. Même si je suis Team r 11, Super 5, j'aime bien. J'aime beaucoup la petite bouille qu'elle a. Hein. Puis en plus, il y a en, en, en Baccara, ils l'ont sorti avec le F2N 1,7 Double corps. Euh, non je crois qu'il est en simple corps sur la hein, Super 5. Et il ne faut pas trop lui donner de chevaux, donc à laisse auto. Hein. Cool, on parle bagnole. Ah bah ici, euh, ici euh, ça reste euh, un des, euh, des sujets de, de live. Hein. Pas se mentir. Hein. Putain mais c'est hyper propre hein. En dessous, ils n'ont pas, pas, pas coulé. Hein. Ah bah idiot pendant 10 secondes. Merci. Euh, merci de rétablir la vérité. <laughs> merci Oliver très gentil. <laughs> donc on est bien sur un microfarad à 50 volts. Oh le chat qui se lèche entre... Ah et après qui met un coup de patte. Très bien. Très bien, très bien. Je sais pas si euh, quand il, euh, il, se, il se lèche le pelage, si c'est euh, genre euh, bon signe. Si c'est pas genre euh, je te domine, donc je te lave, tu es sale. Est ce que je veux dire entre eux oui t'as cru quoi entre eux ah oui d'accord non 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 stop qu'on s'arrête là euh oui peut peugeot 205 TRS pourquoi pas pourquoi pas non en vrai tant que vous roulez en rétro <laughs> moi ça me va en vrai je m'en fous j'ai roulé euh, feu en 205 quand j'étais jeune donc là c'est une 10 microfarad 16 volts en... 16 volts mais dis-moi pas que c'est pour vrai ça c'était pas prévu au programme j'ai du 10 microfarad 63 mais pas 16 16 volts peut-être qu'elles ont été upgrade avec le temps ça peut arriver et donc du coup on n'a pas les mêmes est-ce que c'est que des 10 microfarad 16 du coup si je croise des 10 microfarad 10 microfarad 16 10 microfarad 16 également 10 micro... 1 microfarade 50, 1 microfarad 50 donc c'est bien ça donc les 10 microfarades 16 ont été upgrade enfin les 2 microfarades 63 ont été upgrade en 10 microfarades 16 volts je pense que c'est pour la durée de vie qu'un chat qui lèche un autre ou un humain ça signifie qu'ils font partie du même groupe même team euh, jusqu'à la mort bro toi même tu sais, ah bon moi bah, ça va alors mais euh, je pense que ma première voiture serait une japonaise, euh, ouais allez-y tuez moi U et moi. Non ça va, ça pourrait être bien. Ta première voiture serait une Peugeot. Là malheureusement j'aurais rien pu faire pour toi. Et ben, bah, je crois que les 10 microfarads 16... Alors t'entends, je dois en avoir d'autres en stock, dis bon que c'est pas vrai. Les R5 GT Turbo, rien au-dessus. Mon père a une R5 GT Turbo qui sait, cette année sera au. au Mans. Pendant les Classic Days. Sachez-le. Mmh, 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 mmh. euh, j'ai commencé sur Fiat et j'ai survécu ce bien Fiat. Ma mère est en Fiat 500. Les vrais Fiat 500, la première. C'est très bien. Très très bien, la Fiat 500. Et euh, je tiens à défendre corps et âme, et je sais que vous allez rire, le Fiat Multipla. Dans ma jeunesse, le Fiat Multipla, on l'a eu très longtemps. Et il était euh, très bien. Très très bien le Fiat Multipla. Très très bien. Et euh, les gens le critiquent, les gens le critiquent, mais euh, très bien. Très très bien. Donc on va peut-être mettre du 10 microfarad, 25 volts. Et je les retrouve. Fiat Multipla, euh, qui est sur tous les streams, c'est toi. Non, c'est pas moi. Et je suis fan du Fiat Multipla. <laughs> Multipla, je suis fan, hein. je suis désolé. Hein. Je suis désolé. Hein. Euh... Mais ici, on dit les vraies vérités. Hein. On dit les vraies vérités. Hein. 63 volts, 10 microfarades. J'en avais là Putain, c'est mais... euh, fou. Dans mon Storx. à une Fiat 500, euh, mais aussi une Fiat Panda. Oh, ça, c'est bon goût, ça. Mais ouais, le multiple, là, je suis assez fan. Moi, je dis Nissan fait partie du groupe Renault. Ouais, qu'est-ce que tu veux C'est bien. C'est déjà pas mal. 10 microfarads 25 volts ah mais c'est des bipoles moi je veux pas des bipoles c'est ça hein, que j'ai en stock bah ben oui 10 microfarads 25 volts c'est des bipoles donc je vais être obligé de mettre des 10 microfarad 35 alors parce que les 10 microfarads 16 j'en ai encore mais ils sont balèzes ils sont balèzes et j'ai peur qu'ils passent pas ils sont trop gros non c'est pas eux c'est lesquels c'est eux j'ai peur que ça passe pas. 10 microfarads, 16. Mmh. Mmh, 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 mmh. Multiple là. Mais vous êtes sur oh, les multiples. Le mec était fan d'impression trop davant avant l'heure, bien sûr. Tout ça ne vaut pas une Pontiac Aztec. Je suis d'accord. Qui a été euh, mise, euh, mise en avant euh, grâce à, à Breaking Bad. La Pontiac Aztec qui avait quand même une tente en option. Hein. <laughs> C'est trop bien. Hein. <laughs> Euh, je veux pas avoir l'air d'une je sais pas quoi, mais je reste fan euh, d'une bonne Ferrari. Hein. Je reste dans la simplicité. Bah, effectivement, ça reste la simplicité, la Ferrari, effectivement. Euh, je suis tenté. C'est quoi toi Toi au centre, la T'es qui, qui Ah ok, c'est un 10 microfarad 16, donc je vais pas avoir le choix. Bon, allez, on va mettre que du 35, hein, c'est pas grave. Ça augmentera la durée de vie de la machine. Donc on en a 4. J'aurais aimé mettre du 16 comme ils ont mis. Mais on va doubler. On va globalement doubler. En, en vrai, voiture, voiture de luxe. Hmm, pas évident. Pas évident. Bah, la <laughs> Ouais, mais en moderne. Dans Multi-Machin, là, on met combien de, mou... <laughs> de moulures plastiques, là <laughs> Alors, paraît-il que le multi pouvait avoir un frigo en option dans le tableau de bord. Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus. Salut, toi Ça va, le râleux Garde-le, il s'étire. Oh, le mignon Est-ce que je vais réussir à le montrer Parce que lui, c'est le peureux. Voilà, regarde. regarde. Dès qu'il voit l'humain bouger, il se dit « Oh là là, il veut me tuer !» Mais en même temps, il fait le dos rond. En mode, oh là là, t'es beau. Bon, bah va Voilà. Ça c'est ce chat. Il veut se faire caresser, il vient te voir pour se faire caresser, mais en même temps, derrière... Euh, J'ai peur. Qu'est-ce qu'il me veut, cet humain Pourquoi il vient me voir Il y a forcément un piège. Bon, en même temps, on lui a fait tellement de traitements que peut-être qu'il n'est pas content. dire RS4, à un moment, un mon gros V8, allemand Ah oui. euh <laughs> en vrai je peux pas la payer. <laughs> Comment il va Benji En vrai de vrai, si demain je dois m'acheter une moderne, je, parti, je partirais sur une GT-86. Il y a une voiture qui me faisait beaucoup de, de l'œil. Euh, si ce n'était pas une voiture estampillée Daron et euh, un paquebot par la même occasion, c'est une Renouvel Satis. J'aurais tellement aimé me faire me prendre une Renouvel Satis, mais malheureusement, euh, c'est quand même un, un sacré paquebot. Bien entendu, en V6. Je crois que c'est V6 ou V8. Non, c'est V6 qu'ils ont fait. Non. On a très peu de V8 français. J'aurais vraiment bien aimé. Mais bon. Si demain je dois prendre une moderne et d'une autre marque, c'est la GT86 de chez Nissan. Euh, Toyota. Toyota GT86. Il y a aussi chez Subaru et une autre marque, je sais plus c'est laquelle. Un paquebot pas fiable par contre. Ouais, <laughs> ouais je sais. C'est aussi pour ça que je n'en prends pas. C'est moi où il n'y a pas la polarité qui est indiquée. Parce qu'ils l'ont mise sous le blindage. Merci les gars. Alors heureusement on a la, la malignité du euh, ceci est un plan de masse. Ici présent. Parce qu'en dessous, on l'a aussi. Et en dessous, on ne l'a pas. Donc, euh, par conclusion, comme ceci. Voilà. Impeccable. La troisième marque, mais pas vendu ici. Ouais, c'est ça. Et comment il va Cabri Bah ben, écoute, il va bien. Il va bien, il va bien. Tu vois, on s'occupe d'une lynx 2, on fait ses petits condensateurs on papote en papotant bagnole, ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Un jour, hein, je le dis, hein, on fera de la mécanique sur cette chaîne Twitch. Je ne sais pas quand, mais un jour. Ça viendra. Voilà. Hop. Impeccable. Donc là, on ressoude tout. J'aime bien la Nissan GTR, mais j'aime pas trop sa gueule. J'aime bien le Godzilla. Mais euh... GT86, j'aime trop la gueule qu'elle a. Et il paraît que c'est un beau jouet. Pareil que c'est très très fun euh, à rouler. Il y a la Renault Alpine aussi, l'Alpine A110 euh, qu'ils ont ressorti. Regardez-moi ces soudures. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux On est devenus des professionnels tout simplement. Non, en vrai, l'étain et, euh, et le fer à souder fait, euh, fait beaucoup euh, dans ce que je fais. Hein. C'est dur de, de louper ces soudures hein, avec le matos que j'ai quand même. Le LFA pour le son. C'est vrai qu'il a fait un sacré son. C'est 360... 300 ZX, ah oui, ou 200 SX, passe 2, j'aime bien. Bien vu. Enchaînement de la part du, du joueur qui a Tu sais qu'on a fait du speedrun euh, électronique, un rétro-EDrum ici présent dans le chat. Il nous a fait l'honneur du premier speedrun électronique de la chaîne. Et peut-être de Twitch, je ne sais pas. Avec un très beau score à moins de 15 minutes. Et ça, c'est beau pour un petit PCB. Et en plus de ça, après on a eu le droit à un débuggage complet parce que le, le PCB était claqué au sol. Donc euh, vraiment euh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Et un jour on saura mieux le faire. Safran biturbo, dommage que la boîte ne supporte pas les chevaux. Et maintenant niveau entretien, rien que pour les pilotés, Vendre un, un rein, euh, c'est de la décès. <laughs> de... et, et ceux de ta descendance, très bien. C'est vrai que la safran biturbo, euh, beau jouet aussi. On hein. est sur une belle machine. Il y a plein de traces blanches. Je suppose que c'est le flux d'origine. Dans les bains à soudure. De les fours à refusion plutôt. Salut Heureux comment tu vas Harry Heureux C'est Salut Des poils. Comment ça des poils Qu'est-ce qui se passe <laughs> Qu'est-ce qui se passe, Linko Qu'est-ce qui t'arrive Binary c'est un jeune gens. Si vous ne connaissez pas euh, ce jeune streamer euh, de grande qualité, pareil. Si vous aimez l'électronique, n'hésitez pas à aller voir. Il est où ton lien Mais c'est dingue, il est là. Faut que je mette des couleurs. J'ai mis toutes les mêmes couleurs. N'hésitez pas à, à aller le suivre sur sa chaîne. Euh, il fait des lives de, de très, 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 très grande qualité. Et, euh, et ça claque, hein, tout simplement. Ça claque de ouf. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Si vous aimez l'électronique de pointe, notamment, c'est très, très bien. Hop. Et on a Ariou Bridie également dans le chat. Pareil. Hein. Euh, donc c'est pas de l'électronique, mais c'est du rétro gaming. Et de temps en temps, ça fait du bricolage. Et des impressions 3D de beauté euh, euh, indéfinissable. Donc n'hésitez pas pareil à aller voir si vous aimez le rétro gaming. Euh, c'est très très cool. Très très cool. Tu avais les avant-rois devant la caméra. Ah bah ici, euh, team portugal, team team portugais-espagnol. Hein. Donc euh, on a des gènes euh, poilus. Ça se voit un petit peu sur, euh, sur mon visage, si vous voulez ce que je veux dire. Donc euh, ouais ouais ouais, on est plutôt euh, on est plutôt al. On représente la moumoute. la pelouse. Et le skat qui est là. Comment il va le sk? Comment il va le skate joke? The night, the night. Est-ce qu'il y a Joe qui fait aussi du rétro euh, Mais du rétro 3D Alors ça c'est assez dingue. En fait il fait de la modélisation 3D. Attends, dis-moi pas que je t'ai pas là. Dis-moi pas que je t'ai pas là. Je suis pratiquement sûr que je t'ai ajouté. Ah mais si il est là, bien sûr. Est-ce qu'il y a Joe qui fait des lives sur sa chaîne où il fait de la modélisation 3D de consoles rétro sous un logiciel, je ne sais pas lequel, mais il le fait. En tout cas, n'hésitez pas à aller le suivre, bien sûr. C'est très très cool. Si, n'hésitez pas. Euh, il n'y a que vivement la fin de semaine, bah oui mais je veux bien te croire, je veux bien te croire, en plus je te demande du boulot en ce moment. En plus de ça, c'est lui qui fait les très belles émotes de la chaîne. Et en ce moment il est en train de plancher sur... Bah il a fait l'émote de euh, qui est ici présente, ok, sur la chaîne. Regardez, il est de retour, le chat. Si vous voulez le voir, si vous voulez que je tente de le capturer avec ma Pokéball. Oh, Regarde-le. Oh, le minou. Oh, le minou. Oh, le gratteux. Oh, le gratteux. Mmh, T'as de bons yeux. Hop. Mmh. Il aime pas ça. Hein. T'aimes pas ça. Hein. Quand tu le poses, il est en mode. <laughs> Tim la bétonnière. Très bien. Est-ce qu'il a joke pour la modélisation 3D Donc n'hésitez pas. Salut eu Calisto. Euh, j'ai des modèles 3D que j'ai fait de Pokéball pour les capturer. Mais j'ai vu que t'en faisais gagner une d'ailleurs, euh, n'hésitez pas à aller voir le Twitter de, euh, de Mr. Harry Bridi qui fait gagner une Pokéball. Il Faut répondre à une petite question. Et il fait gagner une Pokéball. Et il est reparti, il se met à miauler. Les chats, je vous jure. Les émotes chats de Oliver, bien sûr en ce moment pour stream malheureusement. Ouais, je veux bien croire, je veux bien croire. Donc là, on a changé tous les condos ici présent. Hop, ici. Et donc on va continuer sur l'autre partie. Ce qu'on a lui, on a lui 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Il en reste 12. 12. Il y en a plus de 14. Très bien. On va enlever celui-ci. Ah oh, mais non, celui-ci pour l'enlever, c'est un enfer sur terre le on va être obligé d'enlever ce shieldos des familles. Et c'est relativement chiant, j'aime pas faire ça. J'aime pas faire ça. Enfin, on va pas l'enlever complet, on va enlever deux points du shield. attends que ça refroidisse Hop. moi juste la flemme de stream ah non mais je vois ça dernièrement là, on le voit plus en stream on le voit plus aux soirées euh, le binaris sinon le focus tu te fais au bon endroit je te remercie Direct follow, et bah c'est parfait. Ça me fait plaisir de savoir que. Donc il y a un petit scotch qui est posé. Oh, je vais, le... je vais les claquer au sol, le chat, il m'énerve. À miauler. Kestar, viens. Alors, bien entendu, je ne suis pas violent avec les chats, n'ayez crainte. Je suis de l'entendre miauler comme ça pour des raisons que tu ignores totalement. Il y a un petit scotch pour venir. Euh... Pour venir. Euh, comment ça s'appelle euh... Éviter les courts-circuits avec le shield ici présent. Alors, c'est ces deux pins-là. Très bien. Trop bien, comment on peut avoir la flemme <laughs> Comment on peut avoir la flemme Je comprends pas. Mensonge Perroquet okay. au Ça me fait penser à Ronotaku, cette non Non, euh, je, euh, sou, hein. je ne parle pas portugais pour un sou. Je ne parle pas portugais pour un sou, mon bon, bon euh, <laughs> Mickey hein. MDK. Bon alors, poids de sou. je suis un Portugais purement français. Hein. Je suis une contrefaçon. Faire un truc à plus, Retroid. Merci d'être passé. Est-ce qu'on est en train de, de chialer actuellement sur cette musique là Elle est très bien, hein s'il vous plaît. Voilà qui sera mieux. J'ai pas l'impression de chauffer le bon truc, je comprends pas. Je suis pas du tout devant la caméra, c'est terrible. Pour me pendre, <laughs> quand même. Ok, donc ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait Attendez. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qu'il arrive Il s'est mis à gratter le, le mur, Je je sais pas ce qu'il fait. En ce moment, il a l'air d'avoir des. Il a l'air d'avoir envie de dégueuler constamment. Surveille, on surveille. Du filtre par les mains sur le jide oh merde. Bon courage, hein je ne sais pas si c'est ce pin-là ou celui-ci. Il y aurait forcément celui-ci qui serait droit du coup. Elle avance pour être sûr d'avoir des trucs intéressants à montrer. Et là en ce moment, j'ai pas suffisamment avancé sur les différents projets, donc la flemme, de faire des streams à l'improviste. Je comprends. des marrons cette musique euh, Toi C'est toi ou pas Excusez-moi, parce que du coup c'est vraiment celui qui est le plus chiant. Une bonne situation, ça, streamer <laughs> Non Enfin, du moins, si vous comptez être riche avec le streaming, non. Donc, c'est bien ce pin-là, mais je vais devoir le tirer dessus comme un énorme bon. C'est complètement dingue. Donc, là, ça y est, il est bien euh, dés désolidarisé. Il n'y a pas de bonne. <laughs> Je dirais qu'il n'y a pas de bonne de mauvaise situation effectivement. Ah vous l'avez tous. Hein. Vous avez tous la ref. Allez, elle est bizarre cette musique quand même. Voilà, donc c'est venu. Donc le condo a bien voulu venir, 10 microfarads. 16 volts. Ok, je devrais pouvoir le, le rechoper assez facilement. C'est cool. <laughs> First, bien sûr. Voilà. Us On nettoie un petit peu, parce que depuis tout à l'heure on n'arrête pas de faire de, des soudures, des machins, des trucs. Voilà. De l'autre côté également, et on va venir y glisser. Donc ça permet de ne pas avoir enlevé le shield, hein, ce que je suis en train de faire. Sinon tu es obligé de l'enlever, c'est un enfer. Vraiment ce shield-là, enlevé, il est très chiant. Alors, 10 microphones à 35 volts. Ah merde, où est le plus, où est le moins euh, Visiblement le plus est à droite, mais j'aimerais confirmation. Ça semble être ça, ouais. Voilà. Donc je le rentre dedans. Et on voit qu'il dépasse à peine. Donc c'est cool. Et Bénure qui offre 3 abonnements là-dessus. Et vous faites applaudir. Et pourquoi vous faites-vous applaudir, me dire et vous merci énormément Bénure, trois abonnements. Déjà que tu me confies toutes tes consoles, <laughs> si en plus tu m'offres des abonnements. Merci énormément, c'est très gentil. C'est très très gentil. Merci beaucoup. Tu mets euh, archi bien. Merci beaucoup. Alors attendez. Bougez pas. Voilà. On va remettre ça. Et vous allez voir pourquoi vous, vous êtes fait applaudir. Et oui, un max de GG, s'il vous plaît. Et un max de ça régal. J'avais oublié, mais on a des émotes gratuites. Hein. Euh, je crois que est... Hype, il est, il est dans les gratuits. Si vous faites la commande GG, vous l'avez également dans les gratuits. Donc, euh, vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez hein. pas à utiliser les émotes de manière gratuite. Bien entendu. Bonne journée à tous. à plus, combi. Et merci d'être passé, bien sûr. Et à très, très bientôt. Alors, on nettoie ça. Je referme juste le shield et vous allez comprendre pourquoi vous, vous êtes fait applaudir. En plus de ça, j'ai fait plein... J'en ai réimprimé euh, 5. Je vais dire plein, mais il faut pas déconner non plus. J'en ai réimprimé 5 des porte clés Et ça, c'est cool. Où qu'il est, le petit... Euh, ne dis pas qu'il s'est collé à mes poils. Où qu'il est, le petit autocollant euh, <laughs> qui permet d'éviter de de, les courts-circuits. Ben, il est là. Super. Super. Viva le Portugal Hop, on le remet en place pour éviter d'avoir des problèmes. Eh bien bonjour Scratchy. De Itchy et Scratchy? Ou pas du tout. On enlève le petit scotch, on referme le shield. Alors attendez, avant de refermer le shield, il faut que je m'assure d'un truc. Je m'assure d'un truc. Alors attendez, déjà. Déjà dans un premier temps. Encore merci, Bénure, pour les, pour les abonnements offerts. C'est très, très gentil. Hop. Voilà. Et, euh, et sinon, sachez que là, tout de suite, maintenant, en tapant juste un G et un C, vous pouvez potentiellement remporter ceci. Donc, c'est un petit porte-clés Gamecube. Voilà. Celui-ci, n'est pas très, très joli. Mais globalement, ils sont un peu plus jolis, euh, ceux que j'ai. Euh, un G et un C, bien sûr. Donc voilà, juste GC, euh, et euh, potentiellement vous pouvez remporter ce petit euh, porte clé Voilà, petit porte clé Gamecube avec euh, euh, le violet en glitter et euh, le gris ici. Et voilà. Donc tous les 15 abonnements, on en fait gagner. Et donc là, vous, on a atteint les 15 abonnements, le sub-goal a été atteint. Donc on fait gagner tout simplement. Voili, voilou. Donc n'hésitez pas, si vous voulez potentiellement remporter ça, il suffit de follow la chaîne et de taper juste... Voilà. Benier, qui du coup tape euh, toutes les consoles du monde, sauf la bonne. Bien sûr. Wonderswan, d'ailleurs on a une Wonderswan autopsie aussi, hein. enfin je m'en occupe un de ces quatre. Ça semble complexe pour elle. Euh... Lynx 2, j'aimerais m'assurer que j'ai mis dans le bon sens le condensateur, comme ça si j'ai à le... avant de, de remettre ceci. Donc n'hésitez pas, bien sûr. Lynx 2, euh, cap. Mmh, 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 mmh. Donc on va chez Console 5 et Console 5, ils ont un wiki, le wiki qui montre la polarité d'Absolimatsu. D'Absolimatsu. Normalement. lynx de capacitor list. C'est bien là. Et donc... On est bon. Je suis dans le bon sens. Donc le moins qui est bien là. Impeccable. Et donc là, le moins qui est bien. Pareil, du bon côté qui est là. Belle déduction de ma part. Je me jette des fleurs. Voilà. C'est bien de se jeter des fleurs de temps à autre. Et donc là, on va juste remettre notre shield. On va le ressouder. Comme ça, c'est fait. Et l'autre mot qui tape GC également dans la, dans la foulée. N'hésitez pas, hein, c'est le moment. C'est gratuit hein, pour gagner. Et je vous enverrai tout ça, bien évidemment, dans les plus brefs délais. Bien sûr. Hop, on va faire pareil ici. Expert en sens condensateur, euh, il te dira s'il est à l'envers. <laughs> J'aimerais bien qu'il évite de me le dire, justement. Comment il va, le lot de mots Je tiens bien pour éviter attendre que, que l'étain se solidifie et on est bon ah, le condensateur dialogue avec toi il te parle il te, il te veut des câlins par contre ça c'est un peu dommage de vite se rapprocher de ton visage en te pétant à la gueule tout simplement voilà. Et donc voilà, c'est tout propre. On a bien remis le condensateur dans le bon sens et on va pouvoir continuer. Après, c'est un peu... Euh, ça va tout seul. Je je vais avoir peut-être des soucis, c'est que les miens qui font 47 microfarades 10 volts, ils sont un peu hauts. Il va falloir que je les mette bien à plat et quand on refermera la console, il faudra faire attention et puis c'est tout. Euh... Tac... 2,250 volts et là aussi. Donc on en a deux de 2,250 volts juste ici. Je crois que c'est cela. Et donc là pour le coup, eux, ils ne vont pas nous déranger. Ah non, c'est 10,63. Excusez-moi, vous voyez quelque chose là Ça, ça m'arrangerait vous puissiez voir quelque chose. 2,50 volts, je ne les ai pas pris. Ah si c'est eux... Voilà, ils sont costauds. Ils sont costauds, les 2,250. Putain, merde. Pourquoi j'en ai des aussi gros C'est chiant. C'est chiant parce qu'il va falloir qu'on se débrouille pour la, la, la refermer. Vous êtes 14 à participer pour le, le porte clé Bien joué vous. Euh, Dois-je rappeler que tu t'es occupé de deux TV catholiques ces derniers temps, niveau complexe euh... Voilà, tu m'as compris, c'est vrai. Ah là là, ils sont contents avec leur gaufre. Hein. Vous êtes contents. Sachez qu'il y en a une autre qui arrive. Hein. Et pour tout vous dire, il y en a même une autre animée qui arrive. Une gaufre animée. Vous radiez, vous comptez l'eau. Je sais pas si vous radiez, comptez l'eau. Hum, 10 volts, 50 volts. Euh, 10, euh, 10 microfarads, 50 volts. Effectivement, c'est cela. Et après, j'ai des 10 microfarads, 63 volts. Mais le problème des 63 volts, c'est qu'ils sont, euh, ils font la même taille. Donc, on va devoir les mettre là-dedans. On va se débrouiller. On va se débrouiller. Une gaufre qui Non, vous verrez. <laughs> Je ne vais pas vous mentir, elle est pleinement inspirée de ce qui a été fait dernièrement euh, <laughs> sur le Discord par un certain euh, loadmower. J'adore plus. Ok. Donc, vous êtes 15 à avoir participé. Vous avez tapé GC dans le, le chat pour remporter ceci. Donc, la petite euh, Gamecube a un PLO euh, et le petit sticker. Il y a un petit sticker dedans quand même, bah oui. Et vous savez quoi C'est le moment. Je tire au sort. C'est. Attention. Shimaira qui avait oublié bien sûr. Attention, c'est bon, tout le monde y est, tout le monde est bon, on y va, let's go. C'est le moment. Jeu de rôle. Eh bah ben, tiens, c'est Nemesis qui l'emporte. Et eh oui, Nemesis, bien joué à toi. J'aimerais un axe de GG dans le chat s'il vous plaît. Pour Nemesis qui remporte le petit porte-clé. Ah, oh, back, qui arrive trop tard malheureusement. Nemesis qui remporte le petit porte-clé. Et eh oui. Bien vu là-dessus. On accepte. On annonce. Et on archive. Impeccable. Bien joué à toi, Nemesis. Ah, il est là en plus. Je t'invite à m'envoyer nom, prénom et adresse directement par, euh, par Discord. Et ça te sera envoyé dans les plus brefs délais. Et oui Donc là, j'étame les endroits où je dois souder. Un petit peu partout. Je prends de l'avance. Quand je sais qu'ils sont pas loin. Je m'occupe des autres. C'est lui, Kogan. C'est Peter Ellison. J'avais celui de la PS1 déjà. Je vais faire la collection. Impeccable. Ah, il te manque le lynx. Si t'as pas eu le lynx. Mais c'est un petit peu. Euh, je vois ça un petit peu comme les manettes qu'on mettait sur les frigos euh, des régions de France. Hein. Attention. <laughs> ouais, je me prends pas pour de la merde. Impeccable. <laughs> Impeccable. De réinitialiser Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier de réinitialiser le compteur tablier. Tu fais bien de le dire. Hop. Ok. Euh, D'ailleurs, il faudrait que je le change. Il faudrait que je trouve un, un autre endroit pour le faire, ce truc-là. C'est pour ça il faut que je m'enlève de tout de Tipeee Stream. C'est pas hyper... Euh... Il y a mieux. On reset. Et ici, on refresh. Impeccable. Vous êtes 224 abonnés. C'est énorme. Merci beaucoup. Il y a tout aussi nombreux à être abonnés à la chaîne. On nettoie. Impeccable. Tu pas arrivé sur la chaîne quand tu faisais celui de Lanx. Ah, c'est possible. C'est possible. Il n'y en a pas beaucoup là qui peuvent se targuer de tous les avoir. Parce que même fut un temps, on faisait des. Euh... Mais eux comptent pas trop dans le, dans le, dans le truc. Euh, J'abandonne, foutu fourmière de merde. <laughs> je vais aller copier-coller en direct et hop, c'est fini. <laughs> bah, bravo Bravo, euh, Clotilde Mais c'est bien, au moins tu. Enfin, franchement, t'as l'air de, de, de pas mal te, te casser la tête dessus. Et euh, moi, je sais que quand j'étais à l'école, le, le peu de gens. Euh, qui avait dans ma classe euh, ne prenait pas vraiment le temps de faire les exos et tout. Donc euh, bien joué à toi. Tu, tu prends le temps de le faire, ça c'est cool. Donc juste la GameCube, euh, j'ai même le résine. Oh c'est beau, c'est un neo back. Moi j'ai la lynx et une lentille sur résine, je suis content. C'est vrai, c'était pas mal déjà. Et donc là, comme vous pouvez le voir, regardez, on a deux... Euh, donc là, c'est les deux condensateurs. Et donc la dernière fois, comme je disais, euh, sur Twitter, il y a quelqu'un qui mettait les condensateurs comme ceci. Comme ceci et comme ceci. Donc comment vous dire que là ça ne marche pas Ok. J'ai que c'est la PS1. Ah ouais vous êtes chaud. Il hein. y en a qui, qui les ont. Ouais. Un que c'est PS1. Il ne te manque plus que la GameCube. Hein. Attention. Hein. Donc bien entendu on remet dans le bon sens et en plus de ça avec la polarité qui va bien. Voilà. C'est important l'eau. Euh, par contre, je sais que ça ne tiendra pas à la verticale. Ça va comme ça, comme ça. Et donc, et donc, et donc, et donc. Ah, mais je peux les mettre sur le côté. Euh, donc, il y en a un, je peux le mettre. Hop, regardez. On va plier les papoutes et on va le mettre à plat. Moi, j'ai deux résines la lynx et la PS1. Eh, mais vous êtes chauds, il qui... y en a qui ont lynx PS1 et Gamecube qui sont tirés d'affaires tout pour l'instant Hop Comme ceci Et lui Comme ceci toujours en respectant la polarité, normalement ça devrait suffire et faire le taf, c'est pas mal, hein c'est mieux. Euh... J'en ai un plus si tu m'avais pas mal existé. Ah bah bravo, juste un résine et une PS en c'est pas mal, hein c'est pas mal. Il hein y en a pas beaucoup qui peuvent euh... dire qu'ils en ont autant. Je vérifie en même temps que ça se referme bien, sans tout rebrancher. Donc ça c'est l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de tout rebrancher. Je peux quand même vérifier au bout. Et bah ben, c'est pas mal pour l'instant. Ok. Ce qui est bien c'est qu'on peut le faire au fur et à mesure. J'avais oublié sur cette console là. Ça c'est cool. On continue. Donc ça c'est un combien 10 microfarades, 35 volts le. Donc c'est eux là-bas. Et euh, ceux-là, c'est des combien 10 microfarads, 16. Donc, c'est aussi par des 35 qu'on va les remplacer. Donc, bah let's go. On, les, on y va. Demain, euh, j'ai mis au programme la PS2 Slim. Mais entre-temps, du coup, j'ai re reçu du, du matos. Est-ce que ça vous intéresse de faire autre chose C'est-à-dire que demain, on va pucer, en gros, une PS2 Slim Ok. Et euh... Mais potentiellement j'ai reçu un méga CD. Et j'ai reçu un. un... J'ai envie de dire Wonder Mega, mais je ne suis pas sûr. Non, pas Wonder Mega, c'est pas ça. Un... Mince. Le Sega CD euh... au format baladeur. Oui <laughs> Oui, toi, toi, je suppose, parce que du coup, c'est la tienne. Du coup, je suppose que tu veux la, la PS2. Plus que les autres. Mais j'avoue que finir sur une PS2, finir la semaine sur une PS2, ça me tente moyen. Parce que souvent, les PS2, c'est un peu capricieux et tout. J'aime bien commencer la semaine par une PS2. Multiméga, c'est ça. Quoi plus c'est une PS2, alors que le frame, c'est Oh là là, Shimaera. Il y en a qui se sont fait ban pour moins que ça. Je crois que tu peux taper la, la commande mode beau. On a la commande mode beau. Non en vrai je rigole, hein, te, je, je banne pas pour, euh, pour ça bien sûr. C'est juste qu'on m'a tellement posé la question et on m'a tellement fait la comparaison au FreeMC Boot que du coup euh, ça m'énerve un petit peu maintenant. <laughs> Le CDX, ouais. C'est une blague. Ah ouais, t'es au courant, <laughs> ok, ça va, t'as la blague. Salut Ouba, comment tu vas Comment il va l'Ouba C'est ah, marrant cette musique. Donc ça, eux, normalement on peut les mettre à la verticale parce qu'ils sont pas trop gros. Mais voilà, du coup, on a un CDX à faire. Euh, donc, on n'oublie pas, on les met dans le bon sens. Focus, peut-être, merci. C'est vrai que ce plus HPS2 comparé à un Mega CD, bah, c'est ça. J'avoue, je suis assez curieux de, de m'occuper du Mega CD et, de la, et du, du CDX. Euh, non, je l'ai mis dans le mauvais sens. Dans l'autre sens, on le met hop, comme ceci. impeccable, et ça normalement ça devrait tenir mais euh, du coup je pense que la... Du coup, la PS2 on la fera quand même, mais on la fera lundi globalement et attaquer un Sega CD et euh, une CDX ça euh, peut être pas mal, surtout un samedi et bien sûr Uba on a, on a fait la promo tout à l'heure mais on la refait maintenant euh, non on l'a pas fait tout à l'heure bah ben, non on l'a pas fait tout à l'heure je suis désolé euh, n'hésitez pas hein, Uba euh... Allez le suivre sur sa chaîne, bien sûr, il fait des lives de, de, de grande qualité également, euh, il faisait du Lego dernièrement, et oui, du montage de Lego, donc s'il y en a qui s'intéressent, n'hésitez pas, mais pas que, pas que, pas que du Lego, il fait aussi euh, des lives sur, euh, sur des émissions euh, d'époque, c'est très très cool, donc n'hésitez pas à aller voir ça, c'est très chill, ça fait des lives très réguliers d'ailleurs. On ne l'aime plus, d'accord, c'est noté. <laughs> c'est pas qu'on l'aime plus, c'est que j'en ai fait beaucoup. Et j'aime bien la faire, mais en fait j'ai tellement eu de mauvaises surprises avec les PS2 que maintenant, j'avoue, j'ai assez de réticence. Et je préfère les faire le lundi, parce que je sais que c'est euh, souvent des sujets qui restent sur plusieurs lives euh, à ne pas se laisser faire. Je préfère commencer par le lundi et finir euh, le samedi par quelque chose de, de plus... Euh, de plus euh, soft et pourtant euh, j'ai Twitch Now et les notifs ah ouais c'est bizarre en tous les cas c'est tous les jours euh... enfin non c'est pas tous les jours les horaires elles changent pas et les plannings sont sur, la, sont sur le, le Twitter et elles sont, ils sont pareils sur la, la chaîne euh... la chaîne Twitch dans programmation il y a, je fais partie des rares streamers qui mettent, euh, qui mettent leur planification dessus donc euh, faut pas hésiter à regarder à cet endroit là mais euh, les horaires sont tout le temps les mêmes. Hein. Lundi, mardi, 9h. Et euh, samedi, euh, euh, vendredi, samedi, euh, 9h aussi. Donc. Hop. C'est pas mal. Et donc là, une fois de plus, je vais aller vérifier que tout va bien. Pour l'instant, c'est pas mal du tout hein, ce qu'on est en train de faire là. On a quand même de la place hein, dans cette console, c'est pour ça que même le mode, euh, le mode LED, on devrait, être, euh, on devrait être tranquille. Hop, on va venir tout souder. Et on y va. Pour bon, l'instant, je suis assez content de, de ma petite Presta, hein, pas vous mentir. On force pas sur le, le PCB. Les soudures sont belles. Les, coudo, les condos sélectionnés sont de bonne facture. Ça me plaît. Il bon, faudra qu'on voit aussi pour du coup démonter l'écran. Ça me fait un peu peur parce que je ne sais pas comment il est fait de, de, dedans. Mais d'abord, on va la remettre en route. S'assurer que tout marche bien. Comme ça on sera tranquille. Toujours s'assurer avant de se lancer dans une modification comme ça. Voilà. On Rien tout découpé. Euh, si vous voulez les bonnes refs, allez voir les lives de Uba comme ça. Vous n'utiliserez plus les mots, bien sûr. Mais j'ai pas la ref. Bien sûr. Je le redis encore, hein, mais on est, en, en, on est toujours en OP euh, Red Shadow Legends, jeunes gens. S'il y en a qui veulent soutenir un petit peu la chaîne gratuitement, vous pouvez télécharger le jeu et aller jusqu'au tuto. Sachez que ça me soutient. Euh, ça me soutient beaucoup. Si on atteint le dernier palier, euh, c'est assez fou. Donc euh... N'hésitez pas, et merci à ceux qui, euh, qui ont pris le temps de le faire et qui le feront. Sachez qu'il y a. Les pseudos sont euh, récupérés il y aura un... un cadeau à la clé. Voilà. Tout simplement. Que ce soit de, de l'argent sur Enéba, que ce soit peut-être un porte-clé. Donc, euh, merci à ceux qui le font, bien sûr. Ça fait 5000, pas plus. C'est ça, c'est relativement rapide. Hein. C'est une biquette C'est euh, 5-10 minutes euh, grand max le tuto. Euh, le jeu fait euh, moins d'un giga, largement, parce qu'on a dit hier que c'était 368, 368 mégas. Donc en plus de ça, il est rapide à télécharger. Donc hein. voilà, Vous pouvez vous y connecter avec n'importe quel compte. C'est sur mobile et PC. voilà. Et c'est un jeu où vous pouvez faire moult choses en même temps. Donc, <laughs> pour atteindre jusqu'au tuto, vous pouvez le laisser jouer tout seul. C'est plutôt cool! C'est beau ça! Bon, mis à part ces deux-là, on dirait presque que tout est d'origine. <laughs> celui-ci, on l'a fait ou pas? Mais non, on ne l'a pas fait lui. 47 microfarad micro 6,3 volts. J'ai oublié de le faire celui-ci. Porte-clés lynx qui me manque. <laughs> oh, J'aurais pu faire un truc. Faire gagner au sort le bundle complet des porte-clés. C'est-à-dire la lynx, la GameCube et la PS1. Pas de marrant. Ça veut dire que je réimprime des lynx et des PS1. Ouais, cette musique donc là on est sur le 47 microfarad 6,3 volts et je crois que c'est cela que j'ai c'est un peu gros il a indication dark web wave c'est ça mm -hmm. on continue pour l'instant ça se passe très bien faire gagner la lin. alors non rien à voir Hop. Donc on va prendre ça et on y va. Alors donc une fois de plus le le plus est caché mais je l'ai trouvé. J'ai une petite limaille qui s'est mise juste là où qu'elle est ma pince elle est là. Voilà. Encore un. Et on y va. On continue. On remet les condos. Alors là, cette fois-ci, je vais voir si j'ai de la place sur le côté, mais je ne suis pas sûr. J'aimerais bien le mettre comme ça, mais je ne suis pas sûr qu'il tienne. On va voir. Donc comme ça. Donc une fois de plus, hein, condensateur rouge, vous savez ce que ça veut dire. C'est ce tutoriel seulement pour le dernier palier. Ça serait fou, ouais. Ça veut dire qu'on aurait atteint tous les paliers. C'est fou quand même. Je trouve ça assez fou. Rien que déjà ce qu'on a réussi là, hein, c'est énorme. Ce que vous avez fait. En fait, tu tiens debout il y a tellement large de place. Tellement large de place. On est tranquille. Je le mets un petit peu sur le côté pour éviter de venir déranger le connecteur ici. Oh, c'est flou, ça va. Oh, cette musique elle est folle, c'était dans quoi Je suis pratiquement sûr que j'ai déjà entendu quelque part cette musique. J appris... Je me demande si c'est pas la musique. Euh... Le piratage c'est mal. Tony Goose pour 2. Non, c'est pas là-dedans que je l'ai écouté. C'est dans un film. D'ailleurs, hmm. <laughs> Ah Oui non mais euh, t'inquiète. Euh, t'inquiète un rien. Tu as déjà fait euh, 45 comptes là-dessus. <laughs> donc lui il est bon. Et est ce qui nous empêche d'ouvrir le connecteur non. On peut quand même ouvrir le connecteur donc c'est bon. Il faut finir les paniers tout à fait, tout à fait. Bah, si on arrive déjà si on arrive au... déjà on a atteint euh, plus que ce qui était prévu. Euh, on, a, on a atteint le quatrième palier. Je crois que c'est 4. Si on arrive au cinquième, euh, ça serait fou. Hein. C'est fou. C'est déjà énorme. Donc merci. Mais euh, 16, euh, 16 en deux jours, je me dis que c'est possible. Donc, euh, pourquoi pas? Jamais une voiture, alors pourquoi voler un film C'est ça, Shimaera. ça me fait penser à ça. Tu as donné toute ta personne à fond, mais grave. Ok, ça c'est beau. Et là on en a quatre. Euh... Alors attends, comment ils sont faits ceux-là Je crois que c'était un peu bâtard justement, ils sont pas tous dans le même sens et tout. la télé catholique je lui aurais bien volé, c'est vrai qu'il se barre avec une télé le mec dans le truc je sais plus ce que c'est comme télé bon, je crois que c'est une télé catholique euh, classique, euh, assez balèze d'ailleurs euh, force à lui hein, parce qu'il a, il a, il a quand même porté une sacrée télé là dessus <laughs> pour la voler ça c'en est un aussi ça aussi Alors, faudra qu'on fasse attention, c'est que tout à l'heure, euh, du coup, on va... Hein... Euh... Pour la... Euh... Quand je monte, j'en profite pour te filer en rab, euh, de, un, un rab du rab de DDR4. Je vais voir, j'ai... Euh, comment ça s'appelle Oh J'ai Bebdown Down qui m'a dit qu'il avait des barrettes de 8Go en... en stock. Je vais voir avec lui justement pour m'en garder une de DDR4 parce qu'effectivement en ce moment je fais pas mal de PC. Mais euh, carrément hein, je suis preneur de ouf. Hein. Mais euh, faut que tu les gardes toi aussi, hein. c'est ton... t'en enfin, as plus besoin que moi, hein. moi j'en fais pas si souvent que ça des, des PC donc. Euh... Allez. Voilà. Impeccable. 47 microfarads, 6,3 volts. Une barrette de 4 go je les utilise rarement, sauf si elles, ont, euh, elles sont en paire. Une barrette de 4 go j'avoue, pour les tests, c'est pas si mal que ça. Il faudrait une, une basse fréquence. C'est pas terrible. Comme ça, elle monte dans à peu près tout, normalement. Je suis toujours perdu sur la, les, les, les barrettes de RAM. Je suis toujours un peu perdu sur, sur ce que ça dit à chaque fois. Trop de trucs. Jin 4GB 2133. Bah, en vrai, si tu utilises pas beaucoup comme tu dis, euh, bah, je, je suis preneur. Je suis preneur de ouf. Alors là, par contre, on a moins de place. Donc je vais devoir la mettre à plat. Je vais devoir la, le, le condensateur, je vais devoir le mettre à plat comme ceci. Je te ramène ça, moi, bah, c'est trop cool. Tu rigoles. Tu régales de ouf. évidemment mmh, 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 mmh. ce, ce genre de musique, ça me donne envie de jouer à, à GTA Vice City. Hop, comme ceci. Euh, GTA San Andreas plutôt. Pardon. Sur Vice City, c'est pas du tout le même style de musique. Ouais Saint-Andreas ouais. <laughs> J'ai dit Vice City mais Saint-Andreas plutôt. En plus on a bien le logo VURS électronique. Electronique. électronique hein, qui est une marque européenne et euh, du coup ça fait plaisir quand même. Ça tient large ça. Je pourrais même le mettre à la verticale pratiquement. Non, verticale, il tiendrait pas. Vertical, il ne tiendrait pas. Impeccable là-dessus. Je vais le souder tout de suite parce que comme les pattes sont courtes. Comme les pattes sont courtes, il faut éviter de. Euh, il, peut vite, euh, il peut vite se barrer tout seul. Donc, euh, je vais le saouler tout de suite, ça m'évitera de galérer après. Vous bon, remarquerez, on prend notre temps. Hein. On n'est pas pressé. Hein. Et eh bah ben lui, il s'envolera pas plus loin. Il s'envolera pas plus loin. Ah, du coup, la Mega Drive derrière, elle, elle tourne bien. Hein Avec Sonic, ça change un peu. On a, on a rarement mis de console Sega. D'ailleurs, j'ai une Master System 1 et euh, une euh, Mega Drive. C'est ça l'on m'a donné, qu'il faudrait que je m'occupe. Oh, quelqu'un qui a atteint le niveau 12! Bah, merci à toi. Qui sait? Qui a fait ça? Je crois que c'était un palier. Je crois même que c'était un palier, mais euh, qui du coup ne compte pas dans, dans mon contrat, moi. Attendez, faut que je regarde qui, qui a fait ça quand même. Bah, il y tout. Et du coup, c'est VFR Gaz qui l'a fait. Bah, bien joué à toi! Et une fois de plus, merci, euh, merci d'avoir, euh, d'avoir euh, fait le, le tuto et ça impeccable. Et une fois de plus, n'hésitez pas à rejoindre le Discord hein, pour être euh, notifié quand je ferai le tirage au sort. C'est important, c'est important. Puis vous dire ce que ce qui a gagné aussi c'est vrai je nettoie un petit peu c'est un peu collant forcément le, le flux qui est dans mon dans mon éteint se répand Je suis fier de, de mes petites réparations, j'aime trop. Euh, et donc là, ça va être du 47 et là aussi du 47. On en a deux 47 ici qu'on va devoir se débrouiller de mettre comme il faut. Mais je crois que ceux-là, ils peuvent tenir à la verticale. On va voir. On a deux 47 ici. Et là, ces deux-là, c'est des quoi 220. Oh, c'est les 220, ils sont costauds aussi, hein, ceux que j'ai. Bon, on va voir. On va espérer de les faire tenir. On va espérer les faire tenir. Enfin, on va les faire tenir quoi qu'il arrive. Mais proprement surtout, ça c'est une autre histoire. et pas dégueu la playlist quand même. Il y a certains sons euh, assez étranges. Un peu de Eminem comme ça là. J'aime beaucoup. 4763. 6, 3. On commence à avoir pas mal de condos euh, au compteur. <laughs> on y va. On nettoie ceux-là et on les installe. Hop, le petit plan de masse qui passe pas. Euh, ils vont m'embêter les 226 3 sur le côté. Je vais leur enlever au moins une patte, parce qu'en gros, ils prennent de la place. Hop, je les redresse dans l'autre sens. Voilà, comme ça, ils me laisseront tranquille. Et vous, vous le et donc là, on est bien. Le PCB est propre et tout, hein, vraiment. Euh, C'est euh, très cool. Pas très bonne machine. Hein. Ah, j'avais le compte bon, hein, parce qu'après, il me reste juste les 220 et on est, euh, on est pas mal. On est pas mal. Alors, le pelus asshole. Hop, pareil, on les met dans le bon sens. Donc c'est des 10 microfarades, euh, des 47 microfarades, 10 volts. Donc une fois, on est un peu plus que du 6,3 volts, mais ça fera l'affaire. J'ai vendu la mienne la semaine dernière. Allez, et bien joué, t'as réussi à la vendre à bon prix. T'as réussi à la vendre à bon prix. Alors, est-ce que ça passe Ça passe large. Euh, bah non, c'est de l'autre côté, je suis con. Hop, tu m'embêtes un peu. Alors, est-ce que ça passe large cette fois-ci Ça passe large de ouf. Large de ouf, et pareil pour les deux. 180 euros. Bien joué ça euh, Il me semblait que tu n'avais pas, des... pas des trucs avec en plus. Tiens. Et donc, les deux derniers, on sera pas mal. Du coup c'est toi qui as glissé sur la Vita euh, ce week-end, euh, hier ou pas hein Bouboulover. C'est toi qui as glissé sur la Vita ou pas hein Sur René Ah, Un jeu Batman et la sacoche, ouais c'est ça. Et elle était fonctionnelle, donc en vrai non c'était bien, hein. c'était bon prix, hein, 180 euros. puis le petit jeu Batman, je crois qu'il est pas dégueu sur la machine. Oui c'est la 60, allez bien joué, franchement c'était un, un, un sacré plan, c'était vraiment un sacré plan à hein, ce prix-là. Euh... Franchement, la PS Vita en, en boîte et tout. Tu nous diras si elle est, euh, elle est à, à la hauteur de, de l'annonce. Mais euh, trop cool. Je suis content que... C'est cool. Euh, je recherche une clope toutes les 5 minutes s'il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, bordel. Quoi J'ai pas compris. Donc, pareil, on respecte la polarité et là on peut les mettre tout droit. Je stoppe la clope. Aïe 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 aïe, courage! Courage à toi. Sinon, tu as des très bons trucs, hein. genre euh, sur la DS Lite, il <laughs> y avait un programme pour arrêter de, euh, permettre d'arrêter de fumer. C'était assez terrible. Il y a eu du speedrun d'ailleurs sur ce jeu. Mais bon courage en tout cas et très bon choix de ta part. J'arrive à faire euh, mon choix entre la slim et la OLED. T'arrives pas à faire euh, ton choix, c'est ça que tu dis. Focus, focus, focus. Ah là, voilà, merci. Et on saoule tout le monde. Et non pas on saoule tout le monde, ça c'est encore autre chose. C'est quand tu commences à parler de crypto monnaie et de NFT. Le combo. D'ailleurs bizarrement on n'entend plus beaucoup parler de NFT là. Je pense que les gens n'étaient pas prêts pour ça. Hein. Crypto NFT qui a demandé son ban. <laughs> Ce petit chat qui tape du marteau franchement il est ouf. Euh, c'est pas plus mal, ça pourra me faire que du bien, c'est ça. Désolé, oui, on parle de PS Vita. Le PS Vita, on est d'accord, c'est très bien. Le PS Vita, c'est très bien. Très très bonne console la PS Vita. D'ailleurs quand... Euh... La PS Vita était une console qui me faisait mes envies à un point, je vous raconte même pas, quand elle est sortie, je, genre je la voulais day one, mais sauf que les prix étaient euh, paramineux, hein. forcément c'était une console qui venait de sortir, bon elle est devenue ce qu'elle est devenue, hein, mais elle me faisait tellement baver quand elle est sortie, je m'en souviens encore, j'étais en mode mais putain mais il me la faut absolument, elle est, elle est folle de technologie, que ce soit les jeux, que ce soit, que ce soit tout dessus tu vois. Ils auraient sorti, mais j'aurais tellement kiffé, un GTA, un vrai GTA exclusif sur la PS Vita, ça aurait été fou. Hein. Sur ce qu'ils faisaient sur la PS Vita, euh, sur la PSP et tout, s'ils avaient sorti un GTA sur PS Vita, il aurait été monstrueux, c'est sûr et certain. Si on parle plus de NFT, perso, c'est juste fait pour spéculer euh, actuellement, bref, une belle arnaque pour te faire payer un max de vieux <laughs> JPEG moisi, c'est ça. Salut Blues, comment tu vas? Si tu prends la OLED en 3G, tu peux remplacer le module 3G par un module mémoire où tu mets une carte SD euh, et ça te fait une mémoire interne. Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu qu'on pouvait faire ça. C'est vraiment stylé. Alors, attendez, je vais changer mes... Mais... Ah mais oh, bah super. Hop PS Vita, euh, faut que je te parle, passer ma journée dans le noir. Euh, faut que je te parle, j'ai passé ma journée dans le noir. <laughs> j'ai la ref. <laughs> Malheureusement, j'ai l'arrêt. Mais je préfère euh, la version euh, Michael Youn et comment il s'appelle le chauve là. Pascal Obispo Non. Si, si c'est ça. Eh j'ai des rêves, hein, attention. diamet Evita, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Laissez à prouver, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Euh, la techno -FT, NFT est juste dingue. C'est juste dommage qu'il qu y ait des abrutis, abrutis qui sont spéculés sur des JPEG à la con et qu'on tue le truc dans l'œuf. Ah, j'avoue, je ne me suis pas renseigné sur la techno en elle-même. C'est beau, hein? J'aime beaucoup ce que j'ai produit là. Aujourd'hui là, je vais pas vous mentir. Et une fois de plus, hein, en ce moment, en ce moment, euh... ah, qui a fait ça Oh, et un nouveau raider. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça avance, hein, C'est très cool, hein. Je commence, je commence à y croire euh, au fait qu'on arrive à, euh, à aller jusqu'au bout. Merci beaucoup. Et donc, c'est someone qui a fait ça. Est-ce que quelqu'un, peut me dire, peut me dire, euh... enfin, si la, la personne a envie, bien sûr, euh, son pseudo. Comme ça que je le note dans mon petit calepin pour potentiellement gagner un truc à la fin. Hop, pour vous récompenser un petit peu. Voilà. Donc les condos sont remplacés. Les soudures, si le focus veut bien, sont clean. Voilà, on a des belles soudures un petit peu partout. C'est cool. C'est cool, c'est cool. On va juste vérifier un truc avant toute chose. C'est les polarités. Et donc heureusement j'ai le oh c'est de musique j'ai les polarités dans le juste sous les yeux on sera bon donc moins vers le bas moins vers le bas moins vers le bas moins vers le haut moins vers la gauche moins vers le bas très bien moins à gauche moins à gauche pour celui-ci les morceaux là c'est moins à droite parfait là c'est moins en bas Parfait, moins en haut, parfait. Moins à droite et moins à droite pour les deux, c'est parfait. Moins en bas, c'est parfait. Moins à gauche, c'est parfait. Moins en haut, parfait. Moins en haut, parfait, parfait. Moins à gauche, parfait. Ici, moins à gauche également. Et moins à gauche également ici. On est bon. On va pouvoir la remonter. Je vais changer d'objectif. ça je le mets de côté parce qu'il faut que je décompte les condensateurs que j'ai pas mis. Prendre des parfums virtuels dans le métavers plutôt que de faire des choses utiles. Mais il paraît que les NFT c'est hyper énergivore, pareil pour les, les crypto-monnaies et tout. Compliqué pour la planète. Ce genre de truc, si je dis pas de bêtises. Mais bon, la thune avant tout. Alors, euh, objectif, on remplace. On, on est à combien de, de raiders en tout Je voir. 50 sur 65, on est à 15. C'est beau. Hein Ça avance pas mal. Hein on est à 15 euh, tutos du, du dernier palier. C'est pas dégueu. Hein Franchement, c'est pas dégueu du tout. Hein. Et bienvenue à toi, Fred de Bruxelles. Merci pour ton follow. Bienvenue à toi. Et donc voilà, on a tout remplacé. La molette ici, elle marche très bien. Enfin, elle n'est pas encombrée. Donc là, tous les condensateurs sont nickel C'est quand la date limite, c'est dimanche C'est dimanche, si je ne m'abuse. Ah, petit ok, je vais le poser là. Euh, ils ont dit c'est une semaine complète. Donc le dernier live, c'est demain. Ce serait bien qu'on les atteigne en live, hein, les 15. Mais sinon, c'est euh, le, le dernier, euh, dernier C'est, euh, Je pense c'est dimanche. Donc voilà, donc ceci, tout a été remplacé, c'est plutôt beau. Je vais prendre une petite photo. Ça fait toujours plaisir de faire des photos pour en plus les mettre après sur, sur l'internet. Si le focus peut se faire. Impeccable. Ok, on va refermer tout ça et on va voir ce que ça donne. Et, euh, et ensuite, il faudra qu'on prenne le multimètre et qu'on vienne se faire chier à voir où est-ce que je peux avoir 5 volts dans cette machine. Ok, on prend ça. J'enlève un petit peu tous les morceaux d'étain histoire de ne pas rayer plus que ça. Oh, Binaris, t'as vu J'ai refait mon embout. Multimètre, mm -hmm. bien sûr. Euh, il suffit juste d'utiliser le lien euh, pour ce, euh, et le code. Il suffit juste d'utiliser le lien, même pas le code. Le code, c'est si vous faites des achats. Donc, euh, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Si vous faites le lien et que vous faites le tuto jusqu'au bout, et puis c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Il faut aller au tuto. Il y en a pour à peu près euh, 10-15 minutes. Donc, euh, ça se fait plutôt bien. Euh, non, je crois que ça après pour le, le passer de l'autre côté ça va être chiant donc il faut que je me débrouille autrement. C'est un peu euh, complexe pour un. Ok, c'est parti. Bah, merci beaucoup. Oh, la nappe elle est en ferraille ici. Ah, oui, et c'est cette nappe là donc ça c'est la nappe de l'écran, forcément. Attention, vas-y, donne tout. Aide-moi. Voilà. Ça, on le débranche en dernier donc nous on vient le rebrancher en premier cool cette petite musique de lovers je mettrais bien celle-ci en premier c'est vraiment chiant à, à remettre hein si euh, si vous l'avez jamais fait vraiment c'est casse -couille. je tiens à le dire je tiens à le dire euh... pourtant je kiffe la console hein, mais cette partie là c'est chiant Ah mais c'est bien ce que je pensais, c'est une musique de ouf. Ah voilà, comme ça, j'insère. Je suis pas sûr qu'elle soit bien prise, la nappe là. Je crois qu'elle se rentre vraiment beaucoup. Excusez-moi, là, du coup, la concentration est de mise. Vous le savez. Alors. Okay. Ça sent pas mal. Oh là là Marie... Mais putain, ça va pas, hein Ça veut pas du tout. Marilou qui raid là-dessus, comment ça va Comment s'est passé ton stream Merci beaucoup pour ton raid, c'est très gentil. Comment s'est passé ton stream à toi T'étais sur quoi Sur quel jeu tu, nous, euh, tu étais en train de jouer Ou euh, peut-être que tu faisais autre chose, je ne sais pas. West ouais, Ever, eh ouais N'hésitez pas hein, d'ailleurs à aller la suivre sur sa chaîne. S'il y en a qui veulent voir du jeu rétro, ah voilà, là je pense que c'est bon. C'est là qu'ils veulent voir du jeu rétro, mais également du CEPA Sorcier, mais également du Sims. Et eh ben, n'hésitez pas. J'ai fait une grotte. Je vais manger. Je vais dormir. Très bien. Et eh ben, bon mangeage et bon dormage. Bien sûr. Et merci pour ton raid, c'est très gentil. Et jeunes gens, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller la suivre. Voilà. Donc on est bon. Personne ne nous dérange. Cette étape-là, c'est très bien. On va utiliser lime qui m'a été confiée. Et on va mettre un petit jeu. Et puis on verra ce que ça donne. Petite lime qui nous vient de chez Otaku Store. qui font partie des gens qui font des alim de bonne qualité. Voilà. C'est un beau câble. Du coup, au Taku Store, la boutique, elle est réouverte, mais elle est uniquement sur eBay. Si je dis pas de bêtises. Ça, c'est bon. Alim branché, mais là-bas, c'est éteint. On va utiliser un jeu à moi. Surtout si vous voulez voir du sel, bien sûr. En gros sel français. California Games. Vous avez vu, il y a différents formats de California Games avec des cartouches différentes, c'est assez marrant. Voilà, petite info que je vous donne comme ça. Euh, ça, par contre, je crois qu'il faut les mettre. mais c'est comme ça. Ok. Peut-être allumer le courant. Ça s'allume. Je crois qu'il n'a pas détecté le jeu. On débranche. On rebranche. Hop. Ça marche. Ça c'est quoi C'est le son ça marche, et ça, c'est le contraste. Ça fonctionne. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Les boutons. On peut allumer et éteindre le backlight. qui je ne sais pas qui, euh, si ça fonctionnera. Merci pour les GG. Si je mets un bandeau LED. Donc on va essayer d'analyser tout ça. Ça c'est on/off. Ok. Euh, on a start, on a pause. On a option 1, option 2. Je sais pas ce que c'est. Si j'appuie dessus. lancer un jeu. Okay. Alors, <laughs> ça sent le cochon grillé. <laughs> euh, faites attention quand vous mettez vos mains par là. C'est notamment la partie alimentation du tube euh, qui a à l'intérieur, le tube fluo. Euh, euh, ça, ça brûle un peu. Donc faites <laughs> attention. Oh, ça pue en plus. Le mois grillé, ça pue. Ça sent pas bon. Sachez-le. Alors, l'écran est encore allumé. Je sais pas où j'ai mis mes doigts, mais euh, je pense qu'il y a un endroit où il faut éviter de le faire. <laughs> oh ça fait un petit mal de crâne direct, c'est cool. Benji Steel, c'est toi qui a fait le, c'est toi le sum One, c'est toi le sum One. Hop, je te note. Merci d'avoir fait le tuto du coup. Euh... Benji Steel. Vous avez vu malgré le coup de, le coup de jus. Vue... J'ai pour lâcher la console. <laughs> Cabri mars 2022. Oui, bon, écoute. <laughs> ça teste ou quoi Ça marche. Ça elle fonctionne. Elle fonctionne. Je viens de me prendre un coup de jus par le tube, le tube fluo, mais, mais ça fonctionne. Bon, j'ai perdu, mais, mais ça marche. Donc là, juste, je sors le multimètre. Euh, Est-ce que je le fais dans... Ça fait combien de temps Elle dure combien de temps Une 46. Bon, alors, si on va faire de VOD. YouTube, on s'arrête là. Nous, on vient de refaire... Euh, T'as vu comment on a changé les condensateurs Il n'y a pas trop de difficultés, il y a beaucoup de place dedans. On a mis des condensateurs de meilleure qualité. Potentiellement, elle durera beaucoup plus longtemps qu'avant. Donc, euh, bah voilà, tant mieux. Nous, on va passer dans une deuxième étape, c'est-à-dire mettre un néon. Enfin, euh, pas mettre un néon, enlever le néon et mettre un, une bande LED. Et ça, tu le verras dans la prochaine VOD. À plus. Ah, bye bye.